Le design est devenu l'un des actifs incorporels les plus puissants de l'entreprise. Nous allons voir pourquoi. Tout d'abord parce qu'il influence les consommateurs dans leurs décisions d'achat et améliore leur satisfaction. En effet, le design permet d'augmenter la valeur perçue et l'usage des produits ou services développés par l'entreprise. Ensuite parce qu'il satisfait les salariés qui affichent plus d'adhésion et de motivation dans une entreprise qui a recours au design. En effet, le design est un processus impliquant tous les collaborateurs et intervient également sur les processus de travail. Enfin, il a un impact favorable sur les investisseurs de l'entreprise qui attendent de meilleures performances financières grâce notamment à la valorisation de la marque. Le design doit donc être considéré comme un investissement pour une entreprise. Pour cela, il est nécessaire de s'intéresser aux impacts positifs du design sur l'activité et les résultats de l'entreprise.